Aya, Aya, Yop City Show. Nangadef, bonjour les gazelles et les gazous, bienvenue au Yop City Show. Nous sommes les élèves du DSA du collège Flora Tristan à Paris. Et nous allons vous offrir 15 minutes de plaisir à la découverte du monde d'Aya. Savez-vous qui est Aya? Si vous ne le savez pas, ne bougez pas. Et revenons après ça. Nous avons écouté au début de l'émission le fameux groupe disco de Guinée-Bissau, Dizan Ambera, le Super Mama Jumbo. Maintenant, Otawan, un groupe de disco des années 80, qui faisait gazer les gazelles et les gazous dans les maquis d'Abidjan. Nous sommes à la fin des années 70, en Côte d'Ivoire, à Yopongo, quartier populaire d'Abidjan. C'est là que Veaya, 19 ans, une jeune fille sérieuse qui préfère rester étudier à la maison plutôt que de sortir avec ses copines. Aya partage toutes ses journées entre l'école, la famille et ses deux meilleurs amis, Adjoua et Bintou, qui ne pensent qu'à aller gazer en douce la nuit tombée dans les maquis. Adjoua, l'amie d'Aya, ne se sent pas très bien. Elle pense avoir le palu. Elle va voir sa tante pour se faire examiner. Que va-t-elle apprendre? Alors, et ta maman, elle va bien? Ça va, tante. Et ton papa? Ça va, tante. Et ton frère? Ils vont aussi, merci, tante. Et toi, Adjoua? Je dois avoir le palu, Tanti. J'ai mal partout et je suis fatiguée. Tu as une petite mine, hein? Bon, on va aller dans la chambre. Je vais t'examiner. Quand j'appuie sur ton ventre comme ça, ça te fait mal? Oui. Et tes seins te font mal? Oui, Tanti. Alors, Tanti, c'est le palu, non? Non, Adjoua. Tu es enceinte. Eh Dieu! Tanti! C'est pas vrai, je suis encore vierge, Dé. Adjoua, je ne suis pas tes parents, arrête de me mentir. Je suis morte, mon père va me tuer, Tanti. Qu'est-ce que tu vas faire alors? Je vais aller voir la dame au marché, elle va m'enlever ça. Tu es folle, tu veux mourir, va plutôt à l'hôpital. Mais Tanti, je n'ai pas d'argent. Vous voulez faire les choses des grands, et voilà. Un petit lexique pour comprendre les expressions typiques du pays. Dé, exclamation. Gazer, sortir, s'éclater en boîte ou ailleurs. Exemple, je vais gazer ce soir. Maquis, restaurant pas cher en plein air où on peut danser. Gaou, un idiot. Et à présent, tendez fort les oreilles, car voici l'icône de la Côte d'Ivoire, DJ, d'où on se souvient encore de ses célèbres déhanchés, connus aujourd'hui sous le nom de coupé décalé. Ça secoue le tassaba. Bonjour, nous sommes en présence de Marguerite Aboué. Bonjour. Vous allez bien? Un peu fraîche, mais un peu mouillée, mais ça va. Merci d'être venue. J'espère que vous allez passer un bon moment. J'espère aussi. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire la BD? Moi, je venais juste de raconter la vie un peu des petits Africains, comment on vivait un peu tous comme
comme les jeunes d'ici, on avait des amis, on a des amis, à l'école c'est pas facile, avec les professeurs ou les maîtres ou les maîtresses. Moi je voulais juste raconter cette Afrique urbaine, vivante, qui existe, tout simplement. Et en plus moi j'en ai beaucoup voulu à mes parents parce que ils m'ont quand même laissé partir quand même quand j'avais 12 ans. Et puis en plus j'étais la dernière de trois enfants, j'étais la plus chouchoutée. Puis du jour au lendemain comme ça, ils acceptent quand même de me laisser partir. Et j'étais tellement heureuse moi, dans mon quartier, je ne pouvais pas partir. En plus, vous avez dû entendre en fait, dans tout ce que je raconte, tout ce qu'on raconte un peu sur la France et le froid. Il y en avait vraiment qui m'ont effrayé. Oui, il fait tellement froid en France que qu'on puisse. Et puis qu'ils se gèlent comme ça sur place, dans les toilettes, pour les casser, pour sortir. Et que les blancs vivaient avec des ours pour se protéger. Qu'ils sortaient avec des bâtons parce qu'il y avait des loups partout. Et quand on est petit, c'est vrai que moi, je me disais, mais pourquoi est-ce que vous voulez que j'aille dans ce pays-là? Vous voulez ma mort? Je pense qu'ils voulaient se débarrasser de moi parce qu'il y avait toutes les bêtises que je faisais. Et quand je suis arrivée en France, j'avais besoin, moi, de raconter ce que je faisais en Afrique. Ce qu'on faisait en Afrique, pour moi, c'était aussi une façon de ne pas oublier quand même d'où je venais, tout simplement. Pourquoi avez-vous commencé par centrer vos BD sur Aya plutôt qu'à Kissi, alors qu'elle est plus petite? Au départ, c'était à Kissi, le premier projet. J'ai fait des petites histoires comme ça d'à Kissi, que j'ai montré à Clément Goury, parce que Clément Goury était dessinateur jeunesse avant de faire Aya. Il avait fait une quarantaine de livres pour enfants, c'était un illustrateur, vraiment. Et puis moi, j'ai des amis qui m'ont dit, mais montre-lui ce que tu fais, peut-être qu'il trouvera, on ne sait jamais. Donc je lui montre trois histoires d'Akissi, il les trouve drôles, il me dit, est-ce que je peux te faire des dessins? C'est lui qui a eu l'idée d'en faire une bande dessinée. Donc il me dessine, il dit, est-ce que tu as des photos de toi, petite? Donc je lui donne mes photos, et puis donc il fait trois pages comme ça de cette petite Akissi dans son quartier, et quand il me montre ça, je me dis, mais c'est super, écoute, ça marche bien. Donc il me dit, écoute, je vais envoyer tout ça à Gallimard. Et donc il envoie ça, moi, je continue ma vie parce que je me dis, de toute façon, ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis. Et une semaine après, ou même avant, il y a Gallimard qui nous appelle et qui nous dit, c'est super, on a une nouvelle collection dirigée par Joanne Sfar, qui va bientôt sortir, et ça peut rentrer dans cette collection, mais est-ce que vous pouvez agrandir cette petite fille, parce que cette collection, c'est pour les pré-ados et jusqu'à adultes. Et comme moi, je ne pouvais pas agrandir à Kissi, parce que je n'ai pas vécu, moi, grande Abidjan, je me suis dit, je vais faire une autre histoire. Et c'est comme ça que j'ai inventé Aya. On écoute tout de suite Myriam Makeba, une magnifique chanteuse d'Afrique du Sud à la voix envoûtante, surnommée aussi Mama Africa. Apo Zamani, écoutons sa chanson mélancolique sur l'exil, qui en fait poser tout. Adjoa, l'amie d'Aya, une jolie fille de Yop City, apprend qu'elle est enceinte. Ne sachant que faire, terrorisée, elle décide de l'annoncer à celui qu'elle pense être le père. Hé, Adjoa, tu étais paniquée au téléphone. Là, c'est quoi? Moussa, je dois t'annoncer une grave nouvelle. Y a quelqu'un qui est mort? Non, Moussa, je suis enceinte. Enceinte? Mais de qui? Mais de toi, Moussa, avec qui j'étais au marché les nuits. Je suis fort de... Moussa, qu'est-ce que je dois faire? Moi-même, je ne sais pas. Je suis sonné. Moussa, si mon père apprend ça, je suis foutu. Et toi aussi. Ah bon? Tu le connais pas. Il est capable de mettre ça dans le journal où il travaille. Pourquoi? Il est journaliste? Oui, à Calamité Matin. Calamité Matin? Faut surtout pas qu'il fasse ça. Mon vieux n'a peur de rien, sauf du scandale. Alors il faut que tu lui parles avant que le mien sache tout ça. Tu as raison. Dieu, il va sûrement me déshériter. Mais alors comment tu feras pour élever notre enfant? Je vois que tu t'intéresses à mon sort. Bon, je vais réfléchir. Ne dis rien à ton père.
Tu attends que je t'appelle. On réécoute à nouveau notre invitée, Marguerite Aboué. Avez-vous aussi connu, ou dans votre entourage, cette situation de fumeurs? Oui, tu sais, en Afrique, il y en a pas mal. Même ici, moi, j'en ai connu, tu sais, il y en a plein. Moi, je suis dans le 18e quand j'étais jeune, et déjà à l'époque, dans le 18e, il y avait des filles, mais c'est pas forcément des Africaines ou même des Blanches, des Françaises qui étaient ici, qui avaient des enfants. Enfin, il y avait au moins un enfant qui était enceinte, quoi. Et elle vivait chez les parents, enfin, chez la maman, enfin, c'était... Oui, j'en ai connu. Ça, de toute façon, j'ai pas inventé. Hein. Adjoa qui tombe enceinte, par contre, ce que j'ai inventé, c'est la suite. Hein. Trouver le bon père, mais... mais sinon... oui, j'en ai connu. Hein. Et je continue toujours d'en connaître, d'ailleurs. Quand je vais en Afrique, je passe des savons parce qu'elles sont là, elles font des enfants, et puis elles sont dans la maison, et puis on voit jamais le papa, et puis... Et puis la maman, ben, ce sont elles qui s'occupent encore, non seulement de leurs enfants, mais aussi de leurs petits-enfants. Et donc à chaque fois, je leur dis, mais c'est pas possible. Donc quand j'arrive, on me dit, mais arrête de faire la morale, toi. Mais je suis un peu comme Aya. En fait, Aya a pris le pas sur moi. Écoutons le papa national ivoirien des années 90 et sa chanson « Bonheur perdu ». Bonheur perdu dans la rue, dans la cohue. Un soir, tu reviendras. Un soir, chérie, un soir. Nous allons vous présenter quelques petits secrets africains. Bonus ivoirien. Comment mettre son pagne? Chez nous, il y a un fameux proverbe qui dit « C'est par le pagne qu'on reconnaît la femme ». Chaque pagne a une signification selon son motif. Il ne faut donc pas se tromper. Par exemple, moi qui suis une femme mariée et respectée, maintenant je choisirai « Mari capable » ou « Je suis désolée, je suis casée ». Pintou, qui est célibataire et qui cherche un homme, choisira « Liberté totale » ou « Dommage, je reste quelque chose. Aya, qui est célibataire et qui ne cherche pas un homme, mais surtout à les dissuader de s'approcher d'elle, choisira « Attention, chienne méchante » ou « Va jouer ailleurs ». Et pour celles qui sont jalouses, « L'œil de ma rivale » ou « Ton pied, mon pied, tu sors, je sors ». Vous pouvez vous faire coudre une robe, une jupe ou un pantalon avec votre pagne, ou juste le nouer tout simplement autour de votre taille. Vous pouvez aussi prendre un plus petit pagne, pour l'attacher sur votre tête. La classe assurée. On réécoute à nouveau notre invitée, Marguerite Aboué. La BD d'Aya fait-elle référence à votre enfance? Alors, l'endroit, oui, cet endroit, Yopougon, ce quartier. Tu sais que pour moi, le héros de cette histoire, c'est pas Aya. Hein. Il a fallu que je mette un prénom, un personnage. Mais sinon, pour moi, c'est Yopougon. Ça aurait pu s'appeler Yopougon, tout simplement. Parce que ce quartier-là, oui, c'est le quartier où je suis né et où j'ai vécu jusqu'à l'âge de 12 ans, où mes parents sont encore. Mes parents vivent encore à Yopougon. J'y vais souvent. Et ça, oui, mais les histoires, non, je c'est pas moi. Là, c'est pas moi, c'est ce que je disais. Hein, c'est peut-être, enfin, je dis souvent que j'aurais bien aimé être Aya si j'étais restée en Afrique. Voilà. Connaissez-vous vraiment les personnes qui sont évoquées ou il s'agit d'une fiction? Alors Aya, c'est une autofiction. Tout ce que je raconte, c'est vrai. Ce sont des choses qui existent. Les filles qui tombent enceintes, les faux pasteurs. Qu'est-ce que je raconte encore dans cette histoire? Tellement que... en fait, les profs qui se conduisent mal envers leur... Tout ça, ce sont des choses qu'ils disent, donc je n'invente rien. Mais par contre, j'ajoute un peu ma sauce, cet humour qui est tout au long de cet tome-là. Cet humour-là, ça fait partie de moi, de ma culture. Vous savez que les Ivoiriens, on est on a cette réputation de pouvoir rire de tout, même de ce qui n'est pas drôle. Et moi, j'ai été baignée un peu dans cette sauce, et peut-être
ça, j'apporte ça. Les personnages, bien sûr que je les ai inventés, mais je me suis aussi servi un peu des gens que je connaissais quand même autour de moi. Par exemple, ce monsieur Sissoko, lui, il hésite vraiment pour de vrai. Et cette maison, je l'ai vraiment vue. Mais à l'époque, il était ministre du sport. Et je trouvais que c'est ce type qui était tellement corpulent, être ministre du sport, ça m'a un peu... Et ce type-là, c'était l'oncle. C'est l'oncle d'une amie. Et tu mériterais quand même de passer d'être dans une histoire. Donc ce type-là, vraiment, c'est quelqu'un qui... Je ne sais même pas s'il se reconnaît, je ne pense pas. Les filles, c'est pas vraiment le visage, mais c'est un peu le comportement des filles, Aya, Bintou, Adjoa. C'est vraiment des filles, elles ressemblent un peu aux filles du quartier, à mes sœurs, mes cousines, tout ce beau monde. J'ai un peu triché comme ça. Puis les Hervé, Félicité, ils existent dans toutes les familles africaines. Hein, dans la vraie vie, qui sont Bintou et Aya et Adjoa? Adjoa, il y en a beaucoup à Yopougon. Et puis Bintou, il y en a aussi pas mal à Yopougon. Bintou, c'est un peu, quand il était plus jeune, il y avait des voisins qui avaient, un voisin qui avait trois femmes. Et les trois femmes vivaient dans la même maison, chacune avait leur chambre. Et puis il y avait une de ces femmes qui avait une fille qui s'appelait toujours Noël, parce qu'elle était Noël. Cette fille, elle était, mais superbe. Super jolie. Et cette Noël, nous, on voulait toutes ressembler à Noël, parce qu'en plus, quand son père et son père, qui partait au travail, Noël, il y avait des belles voitures qui venaient se garer devant chez elle, elle s'habillait, puis elle sortait, c'était vraiment une fille qui, elle revenait, elle nous disait, mais tu veux des bonbons, du pain ou du pain saucisson, moi, je voudrais du pain saucisson, donc, elle nous donnait de l'argent, tout ça, tout le monde. On voulait toutes ressembler à Noël, tellement elle était... Et puis un jour, son père découvre qu'elle sort au lieu d'aller à l'école, donc il la bat. Il la bat, il déchire ses habits, il la jette dehors, quoi. Et là, tous les petits garçons, toutes les petites filles, on voit Noël comme ça, en pleurs toutes nues, et ma mère qui arrive avec un panne, qui prend la petite fille et qui cette fille et qui l'emmène à la maison. Et donc en fait, je pense que Noël, c'est un peu Bintou. C'était une fille, c'était une féministe, tout ce qu'elle voulait, c'était sortir de Yopougon, épouser un homme riche, partir. Voilà, je pense que forcément, ça m'a un peu... Bien sûr, on s'inspire de ce que... Forcément, quand on commence une histoire, on s'inspire un peu de son vécu. Forcément, sinon c'est pas... Même Star Wars, là, je suis sûre que Lucas, il y a un truc au départ, là. Son père n'était pas vraiment son père. Tenez-vous prêts, voici Ernesto Djedje, le roi du Zigibiti. Musique ivoirienne populaire née dans les années 70 et son fameux titre, Zadi Bobo. Adjoa a accouché d'un petit Popi dont le père est soi-disant Moussa. Mais le père de Moussa étant un homme très riche, il veut la preuve que Popi est bien son petit-fils. Le père d'Adjoa cherche alors un membre de la famille qui ressemble à Popi sans succès, jusqu'au jour où il aperçoit un garçon inconnu dans la rue. Le petit garçon qui va là-bas, là, c'est qui? Hé petit, attends. Qu'est-ce que j'ai fait, tonton? Rien, mon petit. Est-ce que je peux te photographier? Ah, mais tonton, là maintenant, je ne te connais même pas. C'est une question de vie ou de mort. Je te donne de l'argent si tu veux. Ah, d'accord. Comme j'en ai besoin, ça m'arrange. 5 000 francs.
Ah, tonton, disons 10 000 et je te fais des pauses. Bon, d'accord. Allez, vite, vite. Parfait. Et Dieu, je suis sauvé. Après avoir développé la photo, le père d'Adjoa se précipite chez lui pour la montrer à Adjoa et sa mère. Koro, Adjoa. Hé Yacine, pourquoi tu es content comme ça? Nos problèmes sont terminés. J'ai trouvé la personne qui ressemble à Bobby. Ça y est. Regardez ces photos, regardez. N'est-il pas beau comme Bobby? Koutoubou, Vierge Marie. Ça surprend cette ressemblance. On dirait le vrai père, hein? Yacine. Mais il y a quoi? C'est son vrai père. On poursuit ce voyage en Côte d'Ivoire en écoutant des expressions africaines. Koutoubou, c'est pas possible. Bangala, l'appareil génital masculin. Son sexe, quoi? Zotos, l'argent. Revenons à notre palabre avec Marguerite Aboué. Qu'avez-vous ressenti en écrivant Aya? Alors, le premier tome, pas grand-chose. En fait, c'est super bizarre parce que moi, j'ai fait cette histoire. Je raconte un peu la vie d'un quartier au fin fond de l'Afrique. Donc, et pour moi, bon, bah, déjà, bon, j'étais contente de le faire parce que c'était drôle. Se replonger un peu dans ses souvenirs comme ça, parler un peu de son pays comme ça, lui, c'était très, très il n'y avait pas vraiment de fierté là quand j'écrivais Aya. Et c'est lorsque j'ai reçu le livre entre les mains, je me suis dit waouh, là par contre on se dit bah tiens, ça existe. Et là, j'ai commencé à me dire, bah tiens, c'est chouette, j'ai écrit un livre, il y a mon nom, c'est bien. Et puis tout de suite après, Aya a reçu le prix du premier album Angoulême. La FNAC nous a mis partout parce qu'on était coup de cœur de la FNAC. Et là, partout où j'allais, je voyais mon livre. Et là, il y a un moment, c'est vrai qu'on se dit, bah c'est super. Et ça, c'est parti d'un coup comme ça. Le succès, on est invité partout. Moi, j'étais à New York, je suis invitée à New York à un festival littéraire alors que j'ai fait une BD. Enfin. Et il y a une grosse limousine qui vient me chercher, un grand noir comme ça qui sort. J'étais avec mon fils qui avait 6 mois. On nous met dans cette grande voiture. On va dans un superbe hôtel. En plus, on m'a donné de l'argent qui m'attendait. Non, mais c'était. Et ce festival était présidé par Salman Rushdie. Et quand vous avez ce grand monsieur qui vous salue en vous disant « I like your job », moi, tout ce que je peux lui dire, c'était « mais me too ». Mais c'était incroyable. On vous invite partout au Brésil parce que vous avez là, ça commence. Voilà, on commence à se dire, bah, tiens, j'ai peut-être touché quelque chose. Et du coup, faire le deuxième tome, il y avait beaucoup plus de pression, tout simplement. Alors que le premier, j'étais là, de toute façon, moi je fais un livre, si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, tant pis. Voici maintenant Okoye Seka Atanas, l'empereur du Kéterok et les grandes colombias du peuple. Elle, leur éternelle chanson, Melocon, Meboum, Oum. Secret, parmi bien d'autres, qui fait de moi le plus grand séducteur de Paris et d'ailleurs, c'est mon délicieux quenchino de poulet, très simple à cuisiner et surtout qui les fait tout craquer, sans doute grâce au poulet. Voici la recette. Pour 2 personnes donc, un poulet, un gros oignon, 2 tomates, 1 cuillère à soupe de vinaigre, 1 louche de vin rouge,
du sel, un cube magique, un piment, pas obligatoire, seulement pour les courageux, du poivre. Lavez et découpez le poulet, l'oignon et les tomates. Dans une cocotte, mettre les morceaux de poulet, l'oignon découpé, les tomates coupées en quatre. Le sel, un cube magique, le piment, le poivre, le vinaigre, le vin rouge, et laisser cuire le tout fermement pendant une heure. Voilà, c'est prêt. Vous pouvez accompagner ce plat avec du riz, de l'attiqué, c'est de la semoule de manioc, du blé, du couscous, de l'igname, des pommes de terre. Succès assuré. On poursuit ce voyage en Côte d'Ivoire en écoutant des expressions africaines. Enjaille, plaire, tu m'enjailles trop. Gâter, médire, dire du mal de quelqu'un, ne pas gâter son nom. Lago, la fille. Mogo, un mec, un gars. Et maintenant, un morceau funky de Moussa Doumbia, Unit. Dansons, c'est la musique d'Afrique. Dansons, c'est le rythme d'Afrique. Dansons, c'est la musique d'Afrique. Dansons, tu peux danser comme tu veux. Dansons, tu peux sauter comme tu veux. Dansons, tu peux sauter comme tu veux. Dansons, la liberté de danser. Dansons, c'est la musique d'Afrique. Dansons, c'est la musique d'Afrique. Dansons, c'est le rythme d'Afrique. Unité, unité en Afrique. Unité, unité en Côte d'Ivoire. Unité, unité au Sénégal. Unité, unité en Guinée. Unité, unité en notre continent. Unité. On réécoute à nouveau notre invitée Marguerite Aboué. La sortie du film est prévue pour quand? Le 17 juillet. Est-ce que le film sera fidèle à la BD? Alors, oui. C'est de la 2D, c'est du beau dessin, c'est magnifique. Moi, je ne vais pas de la 3D parce que je vais souvent voir des dessins animés avec mon fils et c'est pas possible. Quoi. C'est la 3D, on passe notre temps à enlever nos lunettes. Non, c'est vraiment du dessin traditionnel. Le décor est magnifique, les personnages bougent. Si vous avez vu la bande-annonce, ça va être vraiment c'est magique. Non, parce que c'est le même dessinateur avec une cinquantaine d'autres personnes qui ont fait les dessins. Donc, c'est assez fidèle, graphiquement en tout cas. Mais le plus, c'est ce langage, c'est cette musicalité qui sera dedans, qu'on ne trouve pas dans la bande dessinée. C'est tout le reste. Et ça ce sera un grand plus en tout cas. Et vous pouvez nous en dire plus sur la bande-son ou sans en dire trop non plus du film, hein. Ce sont des vieilles musiques, parce que derrière, il y a beaucoup de... Même si j'aime beaucoup de musique, donc il y a tous nos vieux chanteurs, il y en a qui sont décédés. Mm. Et par exemple, Myriam Makeba, pour moi, elle a fait partie de ma vie, donc c'était important qu'elle soit aussi dans cette bande son, et je voulais une chanson particulière que j'écoutais quand j'étais toute jeune dans ma chambre de bonne, à me prendre pour Myriam Makeba, parce que je me trouvais aussi en exil comme ça, comme elle. Oui, je pense que les mamans seront super contentes de retrouver leur crooner, comme Ernesto Djedjé, François Louga. François Louga, ils ont... Parce que moi j'ai ces vieilles chansons en cassette là, audio, grâce à la technologie, on a pu quand même prendre des vieilles chansons qu'on ne trouve même pas sur internet, quoi. Quand on va sur YouTube, on les trouve même pas. Et Myriam Makeba, c'était quelle chanson? Alors la chanson que je voulais, c'est Aposam. Donc ce qu'on a trouvé, c'est L'enfant et l'oiseau. Bon. C'est Forbidden Game. Je vous interdis, je pense. L'enfant et l'oiseau, je ne sais même plus. Donc, c'est ce qu'on a trouvé. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire sur la bande son? En tout cas, en plus, on a trouvé déjà le saboteur. Parce qu'à la fin du tome 6,
Aya est ballet, avec les chante les jaloux saboteurs aux yeux des crocodiles. Et ça, c'est le tube de l'été. Grâce à Aya, je crois que... Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et voici l'international Chalal et Maître Gazonga depuis Abidjan. Les amis, est-ce qu'on peut y aller? Ah, bien sûr. Ok, d'accord. Bien sûr. Je suis allé à Kinshasa, j'ai trop souffert. Je suis allé à Libreville, j'ai trop souffert. Je suis allé à Bangui-Yé, j'ai trop souffert. Je suis allé à Libreville, j'ai trop souffert. C'est qu'il y a une main du nouveau, tu n'es pas chez toi. Je retourne à Niamena, ma capitale. Les jaloux saboteurs aux yeux de crocodile veulent mon échec, me souhaitent la misère. Et voilà mon problème. Qu'est-ce qui vous pousserait à poursuivre l'écriture de la série Aya? Je sais que j'ai arrêté, moi, au tome 6. J'arrête la série. C'est de manière sûre ou... Mais même sous des peut-être si on me menace de me faire des guillis. Non, mais je crois que j'ai un peu tout dit dans Aya. Maintenant aussi, il faut juste continuer parce que ça marche et que ça me rapporte de l'argent. Voilà, non, je suis pas, je me le dis, c'était le bon moment, voilà, pour arrêter cette série et faire autre chose. Oui, et puis faire autre chose, parce que c'est vrai que on a pris du plaisir à le faire et j'espère que ça se voit. Et je pense que si on continue là, parce que ça marche et qu'on nous demande, il faut aussi que l'envie soit là, il faut que moi ça continue à me faire rire, sinon je pense que les lecteurs aussi s'en rendront compte quand même. Par contre, vous continuez à qui si? À qui si? Parce que je fais beaucoup de bêtises. C'est ça mon problème. Mais et tous les amis de mon fils attendent tout le temps. Quand j'arrive, mon fils a honte aujourd'hui de moi. Et quand je passe, je m'emmène à l'école et puis ses amis me disent « Oh, à qui si ?» Parce qu'ils m'appellent tous à qui si. « Ah, à qui si ?» Et puis mon fils est là. Parce qu'il est très sage, par contre, hein, c'est rien à voir avec sa maman, et donc il a honte. Donc à chaque fois, je lui demande est-ce que tu veux que j'en fasse un autre. Il me dit bon, d'accord. Mais bon, j'ai une série, mais c'est sur un commissaire africain. Et là, je cherche le dessinateur. C'est votre prochain projet, alors. Mon prochain. Et puis. Je crois que je termine ça et je vais un peu m'arrêter avec les BD. Non, c'est dommage. Oui, parce que j'ai des films. Oui, parce que là, je suis en train de... On écrit le scénario pour un long. On a su Bienvenue. Et... Mais un film, là, un film d'animation. Oui, ça c'est un projet, c'est un des projets, et puis j'ai un autre projet aussi de film, mais lui, on est, il y a un producteur qui a flashé, qui voulait Aya, on lui a dit mais Aya c'est déjà fait, donc il a dit bon bienvenue. non, c'est un film, et puis ici, il y a une chaîne qui est intéressée pour faire une série pour enfants. Merci d'être venu. Merci d'avoir répondu. Merci de les avoir posées. Merci Marguerite Abou d'avoir répondu à nos questions. Et à vous, auditeurs, de nous avoir accompagnés durant cette sympathique matinée passant dans le quartier de Yopougon. Aya, Aya, Yop City Show. Nous terminons ce fabuleux voyage en réécoutant Myriam Makeba et sa célèbre chanson Pata Pata. Mmh.